Rav Ron Shaya de la yeshiva Yeshuot Yosef avait posté il y a quelques années une vidéo de 32 minutes qui s'appelait « Que répondre aux chrétiens ?». Ce rabbin est assez connu sur le net, ses interventions sont assez nombreuses. Il semble souffrir même parfois de maladies nerveuses avec ses branlements de tête. Hervé Rissen a étudié ce phénomène dans « Psychanalyse du judaïsme » ou « Miroir du judaïsme ». Il cite par exemple dans le dernier la Jewish Encyclopedia, tome 9, en 1905, qui dit ceci: « Les juifs sont plus sujets aux maladies du système nerveux que les non-juifs, et l'hystérie et la neurasthénie apparaissent aussi plus fréquemment. » C'est un constat de l'encyclopédie juive, peu importe. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, le Rav Ron Shaya prétend que l'Ancien Testament est la vraie Bible, tandis que le Nouveau Testament, eh bien, dirait des bêtises. Bref, il prétend montrer que l'Ancienne Alliance, eh bien, n'annonçait en aucune manière le Christ, Jésus-Christ. Alors, son apologétique et ses arguments, nous allons le voir, eh bien, sont très défaillants. Commençons par un extrait assez comique pour vous donner une idée du bonhomme et de son niveau. Tu dis oui, c'est vrai, on a vu Dieu au Mont Sinaï. C'est pas possible. Tous les papas n'ont pas menti simultanément à leurs enfants.